Bonjour messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans l'opération séduction avec Jean-Philippe Chiftéyan, dans le rôle du professeur d'art dramatique. Alors ce soir nous allons faire donc ce cours pour expliquer comment est-ce qu'on peut séduire notre partenaire. Dans la séduction, j'appellerais ça dans la compréhension et dans le savoir-vivre. Comment on peut gérer notre relation avec notre partenaire de façon à ce qu'elle soit agréable pour les deux. Alors, cette gestion, il va falloir comprendre qu'elle fait appel à un mécanisme très sophistiqué du cerveau qui s'appelle l'inconscient. C'est l'inconscient qui gère à 99,9% de tous nos gestes. En période estivale, nous allons apprendre comment séduire, quelles sont les deux façons de séduire. Alors, on va parler de la séduction, parce que séduire avec le prestige, séduire avec nos qualités propres, quelles sont nos qualités propres individuelles. On va parler de comment peut-on séduire toutes les femmes, ou peut-on les séduire, est-ce possible? On va essayer de mettre ça sur la table de façon à ce que vous ayez des pistes. C'est ce que nous allons apprendre dans le cours numéro 339. Vous ayez des pistes pour pouvoir gérer vos propres relations avec vos proches, ce que vous aimez le plus, de façon à ce que vous en tiriez le meilleur. Alors, l'opération séduction, qu'est-ce que c'est? Alors, Pour m'en référer à la banalité, la séduction, il y a deux façons de séduire. Soit avec le prestige, soit avec les qualités intrinsèques. La plupart du temps, les gens séduisent avec le prestige. L'apparence sociale, les vêtements, la situation, la voiture, la maison, le prestige, l'élégance, ça c'est le prestige. On peut séduire avec le prestige, c'est ce que recommande les mœurs, la culture. Tout le monde sait très bien que c'est une part de séduction importante. Et puis, avec les années, j'ai expérimenté la séduction avec la qualité intrinsèque. C'est-à-dire avec ce que l'homme a vraiment à offrir à une femme sur le plan corporel, c'est-à-dire nu. Sans le prestige. C'est une forme de séduction qui, je pense, qui s'acquiert avec l'âge. Avec l'expérience de la vie, plus exactement. Avec l'expérience des femmes, en fait. Parce qu'on se rend compte, finalement, que le prestige ne comble pas les attentes d'une femme réellement. Et que la femme a besoin de se sentir femme dans sa chair, dans son corps, dans son âme, et que pour qu'elle se sente femme, il faut que l'homme, là, lui donne l'occasion, la possibilité d'être cette femme, avec ses propres qualités intrinsèques d'homme. Alors, les qualités de l'homme s'acquièrent en travaillant. Ça, ce n'est pas naturel.
C'est tout l'art du cours d'art dramatique, d'ailleurs. J'ai rarement abordé ce sujet sur la relation intrinsèque entre un homme et une femme, parce que c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait bien compréhensible par la plupart des gens, dans le sens où il faut beaucoup de qualités pour établir une relation fructueuse entre un homme et une femme. Beaucoup de qualités, dans le sens qu'il faut un savoir-vivre d'abord, il faut un respect, il faut savoir gérer la relation. Et en plus de ça, il faut avoir des qualités physiques qui s'acquièrent avec l'entraînement. Des qualités un peu athlétiques qui permettent de durer dans l'acte. Des qualités musculaires, on va dire, athlétiques, c'est bien ça. Il faut pouvoir offrir le plaisir à la femme. Alors, malgré tout, il y a un problème qui se pose tout de même. C'est que il faut arriver à créer une sorte de symbiose, une sorte d'harmonie et là, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit on va manipuler la personne dans cette symbiose comme sous effet hypnotique, ou soit on va garder toute la différenciation et on va laisser la partenaire être libre d'agir à sa guise et prendre le contrôle sur elle-même. Et pour qu'elle réussisse à gérer son comportement, il va falloir qu'elle travaille aussi longtemps, qu'elle apprenne à gérer tout en étant libre. Et alors cette gestion des émotions, cette gestion du comportement, cette gestion de l'harmonie des couples, il va falloir l'apprendre avec la seule science qui existe sur la Terre, interrelationnelle, c'est l'art dramatique. C'est au théâtre qu'on apprend ça, à gérer son comportement par rapport à un partenaire. Il n'y a pas d'autre science. C'est la seule science qui est le plus haut sommet de l'être humain, finalement. C'est apprendre à gérer son comportement en société. Et en particulier avec un homme ou avec une femme. Parce que le comportement obéit à deux critères importants. Soit à la pulsion, soit on gère ses pulsions irrépressibles. Ou soit on laisse faire les pulsions. La plupart laissent faire leurs pulsions irrépressibles parce que les pulsions irrépressibles, ce sont les actes les plus difficiles pour l'être humain à gérer. Pratiquement, je dirais, 5 personnes sur 1000 réussissent à gérer leurs pulsions irrépressibles. C'est un chiffre à peu près que j'estime de tête, comme ça. 5 personnes sur 1000, et je suis un peu généreux. Parce que la plupart du temps, pour apprendre à gérer ses pulsions irrépressibles, il faut travailler une trentaine d'années sur ses pulsions irrépressibles. Il y a peu de personnes qui travaillent sur soi, en développement personnel, qui arrivent à contrôler, si on veut dire, parce que c'est pas avec la volonté
qu'on arrive à gérer son comportement, c'est avec son inconscient. Donc, il faut arriver à travailler l'inconscient, son propre inconscient. Le but de Freud, de tous les psychanalystes, etc. Là, je suis un peu tombé dans des spécifications un peu trop techniques pour le commun. Et je suis obligé de faire un panel général parce que, si vous voulez, une relation entre un homme et une femme, pour qu'elle soit réussie, elle obéit à plusieurs critères. Et ce que l'on entend par une relation réussie, le commun des mortels ne savent pas ce que c'est. Une relation réussie. Je sais, je vais me faire des ennemis. Parce que tout le monde me dira, ah, mais moi je sais ce que c'est quand je suis heureux avec une femme, etc. Oui, mais ce bonheur n'obéit pas à votre volonté, à votre construction. C'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur des premiers instants. C'est un bonheur de découverte. Ce n'est pas un bonheur construit qui permet d'être heureux toute la vie. Alors que le bonheur construit permet d'être heureux toute la vie. C'est l'intérêt d'être un bon gestionnaire. Vous voyez où on en est arrivé? À la gestion de son propre inconscient. Parce que c'est l'inconscient qui va réaliser la relation avec la partenaire et non pas notre propre volonté. C'est l'inconscient qui va organiser tout, en fait, tout ce qui se passe autour de vous. En fait, ce n'est pas ce qui se passe autour de vous, c'est votre adaptation à ce qui se passe autour de vous. Et si vous êtes adapté à votre partenaire, vous allez être un amant formidable. Vous serez adapté. Alors, opération séduction. C'est encore une affaire d'inconscient. Là, en ce moment, votre inconscient, il regarde à travers le hublot de la télé, enfin de votre écran, il voit le gars là, devant vous, il se dit. Et moi, je suis tranquille, je suis loin, je suis tranquille. Je suis un oiseau sauvage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était assez technique, mais pour vous faire comprendre qu'il y a deux façons de réagir, soit avec la volonté ou soit avec son inconscient. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Au revoir.